Bonsoir tout le monde. Hey, c'est prise 2. J'ai fait la première diffusion il y a quelques secondes, puis ça n'a pas fonctionné. Ça a coupé mon micro, a déconnecté, peu importe. Vive le direct. Fait que j'espère que vous allez bien. On est mardi soir, mardi le 11 avril 2023. J'espère que vous avez passé un beau week-end, un long week-end de Pâques. Pour ma part, ça a été un week-end formidable. Vraiment en famille où j'ai eu le temps de me ressourcer. J'espère que c'est la même chose pour vous. J'espère que vous avez passé une belle journée. Ce soir, je veux qu'on, dans les entrevues de Hugo, qu'on parle de mon dernier voyage que j'ai organisé. Je suis de retour depuis vendredi dernier. J'ai eu l'occasion d'organiser une retraite avec mon entreprise en cavale au Guatemala, un pays que je ne connaissais pas. C'était une première pour moi. Puis j'ai eu l'occasion d'organiser ça avec un groupe de personnes vraiment extraordinaires qui m'ont permis d'apprendre à me connaître, apprendre aussi à faire des choses différemment, apprendre à connaître un pays aussi vraiment extraordinaire. Quand on parle du Guatemala, souvent, ben, les gens ont une mauvaise connaissance de ce pays-là. C'est pas un pays qu'on connaît nécessairement. Souvent, on pense de faire des retraites au Mexique, au Costa Rica, des choses comme ça. Puis, on ne pense jamais au Guatemala, mais pour ma part, ben, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs personnes qui m'ont parlé de ce pays-là, plusieurs signes aussi de la vie, me dire que je devais organiser quelque chose là. Puis, ben, bon, dernièrement, ben, le 29 mars dernier, j'ai organisé un beau voyage d'environ 10 jours jusqu'au 6 avril avec un groupe vraiment, comme je mentionnais, extraordinaire. On est allé passer un séjour là-bas. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du Guatemala. Je vais vous parler aussi de mon prochain voyage que je vais organiser le 24 avril prochain au Costa Rica. C'est encore le temps de s'inscrire. Il reste encore de la place pour les gens qui sont intéressés. Fait qu'on va y aller un petit peu là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, des choses comme ça, gênez-vous pas à m'écrire. Ça me fait toujours plaisir là, de prendre les messages. Bref, pourquoi le Guatemala? Ben, c'est simple. J'étais de retour de mon voyage organisé de la Colombie en décembre dernier. J'ai eu l'occasion, en sortant de l'avion, de rencontrer une personne. C'est une participante du voyage de la Colombie qui était assise à côté de cette personne-là. Elle revenait du Guatemala. Fait que, bref, vous savez, quand on sort de l'avion, ben, souvent on attend quelques minutes avant de pouvoir sortir. Fait que, bref, je rencontre cette personne-là par ma participante. Elle me parle qu'elle revient du Guatemala. Je pose des questions. Je vois vraiment qu'elle est super emballée de ce voyage-là. Fait que ça m'a comme donné un déclic. Puis par la suite, ben, la vie m'a lancé 1 million de messages, 1 million de signes pour me faire dire que dans le fond, je devais aller là-bas. Fait que j'ai décidé d'organiser un voyage. Fait qu'au départ, je voulais y aller seul ou avec des amis, puis ça, puis en fin de compte, ben, je l'ai ouvert vraiment à tout l'ensemble de ma communauté dans Cabale. On était un beau petit groupe. Le voyage, il se compose vraiment comme suit. On est parti de Montréal. Moi, j'adore partir de Montréal. Souvent, les vols sont plus avantageux de Montréal. Même si je reste à Lévis, ben, c'est plus facile. Je crois que c'est plus facile de partir de Montréal aussi. Moi, j'ouvre le voyage à l'ensemble du Québec. Fait que c'est sûr que, tu sais, bon. L'aéroport de Montréal est plus accessible pour tout le monde. On est parti de Montréal. On est arrivé au Guatemala City, qui se trouve être la capitale. On n'a pas resté là nécessairement. Je me suis rendu compte que c'est une capitale qui a beaucoup de préjugés. Souvent, les gens disent qu'il y a beaucoup de criminalité là-bas. C'est beaucoup dangereux. Dès en sortant de l'aéroport, on s'est promené un petit peu pour sortir de la ville pour pouvoir prendre l'autoroute pour aller au lac Atitlan, qui soit notre première destination. Je me suis rendu compte que c'est complètement autre chose, complètement quelque chose que je n'avais pas nécessairement compris nécessairement. Beaucoup de préjugés vers cette ville-là. D'ailleurs, tout au long du voyage, ben, en jasant avec des locaux ou en jasant avec des gens qui ont voyagé, vous savez, dans mes types de voyages que je fais, c'est des voyages sac à dos, c'est des voyages qu'il faut que tu apportes ton sac à dos avec toi dans l'avion. On ne traîne pas une valise, là, une grosse valise, c'est vraiment sac à dos, c'est vraiment pour sortir notre zone de confort, pour élargir notre zone de confort. C'est style dortoir aussi, fait qu'on va dans les auberges de jeunesse. Fait qu'on rencontre beaucoup de monde, on rencontre beaucoup de gens, des gens vrais, des gens qui ont voyagé, des gens qui ont de l'expérience de vie. C'est ça qui est extraordinaire. Là, c'est pas juste des jeunes. Quand on parle d'auberge de jeunesse, des fois, on pense que c'est des jeunes, des gens qui sont audacieux, qui sont courageux, qui n'ont rien à perdre.
On constate vraiment, tu sais, moi j'ai 42 ans, fait que, tu sais, je veux dire, je suis pas catégorisé comme jeune. Puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des expériences de vie, qui ont beaucoup de vécu aussi. Puis quand tu parles à ces gens-là, ben tu te rends compte, OK, que le voyage est complètement différent. T'sais. Les gens ont vécu, les gens ont voyagé. Puis souvent, les préjugés sur les villes, les préjugés sur les pays, les préjugés sur les activités, bien souvent, des gens qui n'ont pas voyagé, qui ont entendu dire des rumeurs, puis ça. Puis souvent, ben, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que les participants qui participent à un voyage, justement, bien souvent, ils s'informent par la suite. T'sais. Ils vont aller voir les pharmaciens, les docteurs. Ah, ben, je vais en altitude, je vais à telle place. Puis encore là, il y a 1 million de préjugés, là. C'est fou comment vous ne pouvez pas comprendre, okay, comment il y a de rumeurs, de fausses informations. C'est tous des gens qui n'ont pas voyagé. Tu sais, un pharmacien qui dit, ah, ben là, on va sur un volcan, puis ça prend des années de préparation, ça prend des pilules, okay, pour pouvoir aller à 4000 mètres d'altitude. Vu que c'est 15 km, ça prend ci, ça prend ça. Ben, puis il ne l'a jamais fait, OK, c'est correct, okay, je comprends, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un spécialiste, okay, en médecine, puis je ne veux pas nécessairement là, aller à l'encontre de ça. Mais ils ne l'ont pas vécu, tu sais. Ils n'ont pas vécu. Puis, tu sais, je pense que la meilleure personne, okay, pour vous conseiller au niveau du voyage, au niveau de l'expérience de vie, c'est justement des personnes qui ont vécu des choses, okay, extraordinaires, qui sont promenées, puis ont vu, ont pu se promener. Quelques petites photos un peu en vrac avant d'aller plus loin dans le voyage. Fait que vous voyez un petit peu, j'essaie de juste, je sais pas si je suis capable de fermer ma caméra pour enlever. Bon. On voit une belle image ici, c'est au lac Atitlan, c'est un hôtel que je vais vous parler tout à l'heure. On voit aussi, là, présentement, j'étais vraiment là, sur un volcan. Puis, qu'est-ce qui est merveilleux au Guatemala, c'est qu'on voit vraiment, vraiment beaucoup de volcans. C'est la première fois qu'on est aussi haut en altitude ou qu'on voit autant de volcans ou de montagnes actifs ou non actifs. C'est vraiment formidable. On me voit encore là, genre avec un volcan. Vous voyez, le volcan, il fume un petit peu, là. C'est merveilleux. Encore une fois, on voit le lac Atitlan avec une assiette vraiment formidable. Qu'est-ce qui est merveilleux dans ces pays-là? Quand on parle du Guatemala, on parle du Costa Rica, la Colombie, le Pérou, peu importe. Parce que la nourriture est super extraordinaire. Toujours des aliments, là, OK, bon, soit sans gluten, sans produits laitiers. C'est des aliments aussi, là, vraiment qui respectent la nature, des produits frais, des produits, là, vraiment à santé. C'est ça qui est formidable. Et peu importe ce que tu demandes, c'est toujours des produits comme ça. J'adore. Encore là, moi, là, j'étais vraiment, là, vous voyez, je suis un peu fatigué. J'étais à 4000 mètres d'altitude présentement. On voit le même volcan que celui-ci, mais vraiment, vraiment plus haut. Encore là, moi, au lac Atitlan. Comme vous pouvez voir, OK, c'est vraiment là, des photos extraordinaires. Je pourrais vous en montrer pendant des heures. Quand on est arrivé à la capitale, on n'a pas resté là, on s'est promené immédiatement pour aller au lac Atitlan. Selon moi, c'est un des plus beaux lacs au monde. C'est vraiment un des plus beaux spots au monde. On a vraiment été directement là, au lac. On n'a pas arrêté nécessairement à part faire des petites haltes à gauche et à droite. On est allé dans la municipalité de Panajachel, qui se trouve être une municipalité, je te dirais, la plus populaire là, au niveau du lac. Tous les déplacements se font à partir de cette municipalité-là. On est allé dans la chaîne hôtelière des auberges de jeunesse Célina. Ça, pour moi, c'est un must. À chaque fois que je fais un voyage okay, en Amérique latine, je vais toujours dans ces chaînes-là. Célina, c'est Selina. Tapez.com, vous allez voir, il y a une multitude d'hôtels partout en Amérique latine. C'est vraiment formidable. Auberge de jeunesse, tu peux upgrader aussi avec des chambres privées, semi-privées. Des fois, il y a des tipis aussi, super avec concept, avec des thématiques vraiment intéressantes. Restaurant, place pour faire du yoga, piscine tout le temps, place pour fêter aussi, DJ et compagnie. Fait que c'est vraiment une place extraordinaire. On a resté là quelques jours, je dirais 2 nuits. On a découvert cette municipalité-là sur le bord du lac, vraiment formidable. Après ça, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris le bateau. Il y a plein de municipalités qu'on peut se rendre par bateau. Des bateaux qui coûtent environ, là, c'était environ 20 quetzals. Je ne sais pas si je prononce comme il faut. Là. Ça pourrait être la monnaie locale là-bas. Ça revient peut-être à
5-6 $ là, pour se déplacer de municipalité en municipalité. C'est des petits bateaux sous forme de barque, vraiment, là, vraiment facile à se déplacer. Bon, c'est une expérience en soi, se promener dans ce type d'embarcation-là. Il y a de la houle souvent, ça ballotte aussi, mais quand même, c'est souvent une activité vraiment intéressante. Ça égaye le voyage, comme je peux dire. J'ai souvent mis des vidéos sur mes plateformes si vous voulez aller voir ça, c'est vraiment intéressant. On est allé à San Marcos, mais là, il y a vraiment beaucoup de petites municipalités. On arrête de municipalité en municipalité en bateau. Fait qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire dans cette municipalité-là, dans ce lac-là. Juste avant d'aller à San Marcos, on est allé faire de la tyrolienne au parc, là, dans le coin de Panajachel. Selon moi, c'est la plus belle tyrolienne que j'ai faite de ma vie. Genre une série de tyroliennes d'environ 800 mètres, une au moins 4-5, si ce n'est pas 6. C'est vraiment super intéressant. Il y a des singes aussi, il y a beaucoup de faune au monde. Ça va être une belle randonnée pour monter jusqu'en haut de la montagne. Il y a une belle plage aussi en bas. On peut rester dans ce parc-là, il y a des papillons. C'est vraiment un beau parc avec des belles tyroliennes, comme je vous l'ai dit. Je pense que c'est le plus beau spot où j'ai fait des tyroliennes de toute ma vie, à Panajachel. C'est très, très proche de la ville aussi. Il n'y a pas de déplacement à faire extrême pour se rendre là. C'est un prix abordable aussi, comparativement à tout ce qu'on peut faire là, dans le monde au niveau des tyroliennes. Comme je vous ai dit, on a pris le bateau pour aller à San Marcos. On est allé à l'hôtel, le Eagle Nest. C'est vraiment là, je pense, que j'ai pris cette photo-là. Comme vous pouvez voir, là, c'est vraiment le Eagle Nest, ça soit le nid d'aigle. Fait que c'est vraiment en montagne. On monte peut-être genre 2-3 km à pied. On peut prendre des petits autos taxis, là, tuk-tuk, toc-toc, là, tuk-tuk, je ne sais pas, je prononce comme il faut. C'est comme des. On le voit souvent à Cuba, c'est comme des totos, des cocos taxis, souvent on appelle ça comme ça. Fait qu'on peut embarquer un ou plusieurs là-dedans. Fait qu'on peut faire ça aussi. Fait que c'est vraiment super intéressant comme concept. Fait que c'est vraiment en haut, il y a un plateau, là, il y a comme un plateau qu'on peut aller voir toute la vue en panoramie. J'ai mis encore là plusieurs photos en story ou sur ma page Facebook. C'est vraiment formidable. C'est vraiment un plateau que tu sais, les gens font du yoga, de la méditation, qui était comme dans le vide. Tu vois vraiment là, tout le lac, là, comme vous avez pu voir sur la photo que je vous ai présentée. C'est un hôtel vraiment super, super. Je pense que c'est une des plus belles hôtels que j'ai eu l'occasion de visiter, avec une vue aussi extraordinaire sur deux, trois volcans proches du lac, en voyant le lac. C'est vraiment formidable. C'est quelque chose que je vous recommande fortement. C'est sûr, dans San Marcos, il y a beaucoup, ce que j'ai constaté, en tout cas, quand je suis allé, c'est un petit peu plus difficile à dormir. Il y a beaucoup de chiens qui jappaient, des coqs aussi le matin. Mais bref, ça fait partie de la vie, hein, c'est la nature, c'est la vie. Fait que faut pas nécessairement là, être frustré de ça, mais c'est sûr qu'il y avait un petit peu plus d'action au niveau de la nuit, au niveau des bruits. Mais c'est vraiment là, un spot extraordinaire. San Marcos, pour moi, c'est une ville aussi qui est une municipalité qui est beaucoup spirituelle, beaucoup de boutiques de spiritualité, beaucoup d'activités en lien avec ce thème. Fait que pour moi, c'était un incontournable. On est reparti. On est allé. Oui, on a visité quand même la ville, mais on est reparti à Panajachel pour reprendre l'auto pour aller visiter des marchés. Je ne me souviens plus nécessairement c'est quoi le nom de la municipalité, mais on est allé visiter un des plus gros marchés du Guatemala. Ça bouge vraiment beaucoup. Encore là, j'ai mis des vidéos, des photos sur ma page Facebook. Vraiment un marché typiquement local où qu'on voit genre de la nourriture, on voit plein de choses aussi, des produits, des pierres. En plus, c'était la semaine sainte quand on est allé. Fait que c'était très, très pratiquant là-bas. Fait qu'on a vu des choses extraordinaires. Je ne suis pas un gars qui est super pratiquant religieux, mais tu sais, c'est quand même fun de voir un peu la culture locale, comment les gens sont, tout ça. Fait qu'en étant là-bas dans la semaine sainte, ben, ça donne une belle façon de voir okay, comment les gens sont localement. Fait qu'on s'est promené, on est allé visiter une ruine inca. On n'est pas allé voir Tikal. J'ai de la misère à prononcer le nom quand même des ruines qu'on est allé, mais c'est une ruine qui était sur le chemin entre le lac Atitlan puis Antigua, qui est l'ancienne capitale espagnole et du Guatemala à l'époque, une belle ville coloniale espagnole.
C'est une belle, des belles ruines qu'on est allé visiter. Ce n'est pas les ruines qu'on est habitué de voir, mettons, au Mexique ou à Tikal au Guatemala, mais quand même, ça donne une bonne représentation de comment les Mayas vivaient, okay, à l'époque. Toujours le fun de voir des trucs, des ruines, des choses comme ça. L'énergie du site, là, c'était vraiment extraordinaire. Dans une grande place où il y avait plusieurs petites pyramides là, qui étaient comme un peu en ruine, j'ai senti une énergie vraiment extraordinaire là. C'est comme si j'avais déjà vécu là-bas. Fait que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Pour ma part, là, j'ai vraiment aimé cette ruine-là. Mais ce n'est pas les ruines qu'on voit au Mexique, par exemple, comme Tulum, Cuba, Chichén Itzá et compagnie. J'ai pris une petite gorgée d'eau, ça fait du bien. Après ça, ben, comme vous pouvez voir, je suis un peu fatigué. Quand j'en ai eu un voyage, ben, je me donne corps et âme, okay, pour l'organisation, corps et âme aussi dans tout le déroulement de cette retraite-là. Fait que, puis je donne beaucoup de mon énergie. Puis ça. Souvent, au retour, je suis un peu plus épuisé. J'ai pris un petit peu la grippe aussi. Tout à fait normal, j'ai besoin un peu de repos. Puis tout ça. Fait qu'on est allé à Antigua, comme je vous ai dit, l'ancienne capitale, une belle ville coloniale espagnole, comme on peut voir. Comparable peut-être un peu à Cusco, au Pérou, des trucs comme ça. Une belle ville, une ville intéressante. C'est sûr que dans le fond, comparativement au lac, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de moins fort. Mais on voit vraiment l'architecture espagnole. Autour d'Antigua, il y a plusieurs volcans. C'est vraiment formidable. On est allé coucher au Célina aussi, la même chaîne, okay, que genre à Panajachel. Vraiment un hôtel extraordinaire, piscine, restaurant, hamac, vraiment un setup extraordinaire pour faire ce style de retraite-là. On a resté là genre quand même 2 3 jours. On est allé par la suite rapidement aller visiter un volcan. On est allé visiter, je pense j'ai même des, j'ai une petite vidéo genre de Panajachel ici. Non, non, c'est le Eagle Ness. Je peux vous montrer. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment magnifique. Un des plus beaux spots au monde que j'ai eu l'occasion de voir. La vidéo que je viens de mettre en ligne là, présentement, c'est vraiment le Eagle Nest sur le plateau que je parlais tout à l'heure. Il n'y a pas de barrière. On est vraiment dans le vide. On est vraiment juché, là, vraiment là, comme un nid d'aigle. C'est vraiment formidable. Je t'ai rendu à Antigua quand on est allé visiter un volcan. C'est une belle randonnée. Théoriquement, sur le pamphlet, c'était marqué 15 km aller-retour. C'était vraiment extraordinaire. J'ai des vidéos aussi à vous montrer. C'est une randonnée, là, dès le début, là, ça monte comme ça. C'est sac à dos. La randonnée, c'est qu'on monte, okay, au camp de base à 3 600 mètres d'altitude, si pas 3 700. On dort dans des tentes. La température rendue là, ça peut varier entre 0 et moins 5 degrés Celsius. Si on payait une option, on pouvait aller sur l'autre volcan à côté, le Fuego, qui est comme actif. Fait que moi, je suis allé avec une de mes amies participantes. Bon, c'est encore facilement un autre 4-5 km. On descend, puis on remonte sur l'autre volcan. C'est là que d'ailleurs, je vais vous montrer les vidéos tout à l'heure. On est revenu, okay, au camp de base. On a dormi dans des tentes. On a mangé au feu vraiment rustique. Le lendemain matin, bon, on se levait à 4 h du matin pour monter jusqu'à 4 000 mètres le volcan où on était pour voir le coucher de soleil. Je vais vous montrer, j'ai des petits vidéo de tout ça. Comme vous voyez, là, j'étais vraiment rendu sur le volcan qui était actif. On était deux du groupe, on était
T'as plusieurs, mais il y a juste deux personnes avec moi qui a décidé d'aller là-bas. Fait que c'est vraiment, on est très proche. Je dirais, on est peut-être à 300-400 mètres du volcan. Puis c'est un volcan qui est actif. Ça veut dire que dans le fond, il y a du feu qui sort de là. Le soir, on peut voir la lave, comme vous pouvez voir. J'ai une autre vidéo ici. Comme vous pouvez voir, okay, il y a vraiment du feu qui sort du volcan. Ça coule vraiment, okay, jusqu'en bas. Fait que c'est... Moi, pour ma part, c'est la première fois que je voyais ça. J'ai montré ça à plusieurs personnes aussi. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que ça n'existe pas. Ça existe. Je l'ai vu de mes yeux vus. Fait que c'est vraiment extraordinaire. Je pense que là, j'étais en haut. Ça ne rend pas justice nécessairement aux vidéos que j'ai, même à la vue que j'ai vue de mes yeux vus. On était vraiment en haut du volcan, vous voyez les nuages. T'sais, même le soir, quand on était sur le Fuego, je voyais le volcan, je voyais la pleine lune. C'était la journée de la pleine lune, vous savez, ouais. La pleine lune vient de passer, puis en plus le coucher de soleil en même temps. Le matin, bien, le coucher de soleil, le lever du soleil se levait. On voyait vraiment tous les volcans, le soleil qui plombe sur les volcans, c'était vraiment formidable. Les nuages, on était en haut des nuages, c'était vraiment, vraiment, vraiment formidable. Fait que vraiment une activité à faire, c'est super accessible. Moi, j'ai fait des montagnes, j'étais allé au Pérou, que l'altitude était plus difficile que ça. Je peux vous dire qu'au Guatemala, l'altitude, quand on prend le temps de s'habituer, ça va super bien, il n'y a pas de malaise, c'est accessible. C'est une randonnée quand même, quand on va sur le volcan, quand même assez difficile. Mais c'est vraiment, si vous voulez vous dépasser, venir de la meilleure version de vous-même, ben c'est idéal pour ça. Fait que je sais que la première journée, quand j'ai fait l'ascension jusqu'au camp de base et je suis allé faire le volcan qui était actif, le Fuego, j'ai dépensé pratiquement 8000 calories. Juste pour vous dire comment c'est intense, comment c'est ardu comme randonnée, mais tellement genre énergétique, tellement ressourçant, tellement moi, ça te donne de l'énergie. Puis le lendemain, c'est quasiment 4000 calories que j'ai dépensées pour monter jusqu'en haut et en redescendant, puis il faut la redescendre genre pour aller en Antigua. Après ça, ben, la dernière journée, ben, on s'est reposé parce qu'après une randonnée comme ça, c'est toujours super intéressant de se reposer, se déposer. Essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, essayer de aussi, genre, de s'améliorer aussi. Parce que vous le savez, moi, quand on part dans un voyage, on part toujours d'une façon. On part d'une façon X, puis on revient toujours d'une façon. Et c'est sûr, dans mes voyages que j'organise, il y a toujours des routines matinales qu'on fait de la méditation, visualisation, affirmation. On fait aussi de l'entraînement léger. Il y a beaucoup d'ateliers aussi que j'anime, des ateliers qui sont à apprendre à se connaître, apprendre à communiquer, savoir qui on est, savoir où on va. Il y a des ateliers aussi sur bon, nos blessures, les obstacles qui nous empêchent, okay, d'être heureux, d'être nous-mêmes. Il y a beaucoup d'ateliers aussi sur la spiritualité en soi. J'anime de l'art thérapie, je fais des soins énergétiques aussi. Et dans toutes ces choses que j'organise, plus les activités comme le volcan, bien, il y a beaucoup de choses qui se trament, des choses plus subtiles, des choses plus invisibles aussi. Effectivement, ben, on assiste à une transformation de nous-mêmes vraiment extraordinaire. Puis souvent, on a besoin de se redéposer. Il y a beaucoup de discussions de groupe aussi. Tu sais, je veux dire, oui, j'anime des ateliers, des échanges par rapport à ces ateliers-là, mais il y a beaucoup de discussions. C'est quand on a marché, ben, ça a pris quasiment genre 5-6 heures montée jusqu'au camp de base. Il y a beaucoup de discussions formelles et informelles entre nous. Fait que tout ça fait en sorte qu'on se transforme, on grandit, on évolue, on devient une version meilleure de nous-mêmes. C'est pour ça aussi que je suis un peu fatigué depuis mon retour, parce que je sais qu'il s'est passé des choses extraordinaires dans ces voyages-là pour moi aussi.
même si j'étais le guide, même si j'étais la personne qui organisait le voyage, il y a des choses extraordinaires qui s'est passé. Bref, rapidement, ça a été mon voyage du Guatemala. Pour ma part, je serais pas gêné de dire que c'était mon plus beau. Plus beau en termes de paysage, plus beau en termes d'énergie, plus beau aussi en termes de simplicité. Aussi, pas trop organiser les trucs. C'était pas rare qu'on planifie rien le lendemain, que dans le fond, on décidait au fur et à mesure du voyage. Souvent, on prend trop de temps à planifier, à surplanifier, à organiser, puis ça. Puis, qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est qu'on a un temps plus spontané, mais ça laisse de la place beaucoup à faire ce qu'on veut, quand on veut, puis faire les choses qui nous tentent, qui est plaisant aussi. Et ce voyage-là était beaucoup tout ça. C'est pour ça que j'ai aimé ça. C'est une destination que je vais refaire. Si ça vous intéresse, écrivez-moi. C'est quelque chose que je vais refaire aussi. Aussi. C'est un peu, je le comparais peut-être un petit peu à la Colombie. Souvent, c'est un pays aussi qui est mal jugé, mal compris aussi. Fait que c'est un pays qui est un petit peu hors norme. Fait que j'adore ça d'aller dans ce genre de pays-là parce que, tu sais, partir en sac à dos, ça, d'un, OK, on amène moins de stock. On est moins habitué, OK, à partir, OK, sans notre valise, sans notre confort, sans notre maison, sans ça. On est moins habitué aussi de voyager avec un dortoir, puis tout ça. Fait que, tu sais, encore là, c'est plus difficile. On est moins dans notre luxe qu'on est habitué. Tout ça ouvre notre cœur, ça ouvre nos horizons, ça agrandit notre zone de confort pour qu'on puisse travailler sur nous-mêmes. Puis un pays hors norme aussi, où que, tu sais, il peut y avoir des peurs, des insécurités. Et ça fait en sorte aussi qu'on peut travailler vraiment sur des choses, OK? L'ego, OK, il est vraiment oublié dans ce type de voyage-là parce qu'il est complètement dépassé, il peut pas organiser, il peut pas planifier. C'est pour ça que j'adore vraiment ce genre de voyage-là. Puis, c'est un must pour moi. Fait que c'est sûr que je vais l'organiser. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Vous allez avoir vraiment de l'information éventuellement pour ce voyage-là. Comme je vous ai dit, moi, c'était une première. Les gens qui m'ont suivi, ils m'ont fait confiance. Je suis convaincu qu'ils ont apprécié cette destination-là. Puis, je suis convaincu que, dans le fond, vous-même, OK, même si je suis fatigué un petit peu, je pense que je vous ai contaminé positivement pour cette destination. La prochaine destination que je veux vous parler, OK, c'est le Costa Rica, comme vous pouvez voir. J'organise une magnifique retraite le 24 avril au 1er mai. On est pratiquement complet. Fait que si ça vous intéresse, là, je vous le dis, là, OK, écrivez-moi rapidement après cette entrevue. Parce que dans le fond, il faut que je réserve les hôtels. Les vols d'avion aussi, il y en a de moins en moins. C'est dans facilement 2 semaines. Même pas 2 semaines, c'est le 24 avril. C'est un beau pays au Costa Rica que j'adore extrêmement. C'est une destination que j'ai faite plusieurs fois. Je maîtrise là, okay, vraiment okay, qu'est-ce que je vous ai à vous offrir. Très simple, encore une fois, on part de Montréal, voyage sac à dos pour vous dépayser, pour sortir de votre zone de confort. On part de Montréal, tout le monde ensemble, idéalement. On atterrit à Liberia, qui se trouve être l'aéroport international, une des aéroports internationaux du Costa Rica, après la capitale qui est San José. On arrive à Liberia, on ne reste pas là, on part directement, je fournis l'autobus, un autobus privé qu'on va être confortable, qu'on va être bien avec l'air climatisé. On part, OK, on peut aller chercher des petites bières au dépanneur avant parce que c'est une ride d'environ 2 heures à 3 heures. On va aller à La Fortuna, qui est dans les terres. C'est là qu'il y a le volcan Arenal, vraiment un parc national super, super intéressant. On va rester là 2 à 3 jours. On va arriver dans la chaîne hôtelière Célina, encore une fois. Tapez Célina, Selina.com, Amérique centrale, Costa Rica. Après ça, La Fortuna. Fait que c'est un hôtel pour moi. C'est un des plus beaux Célina que j'ai eu l'occasion d'y aller. Je le dis souvent, là, mais c'est vraiment un des plus beaux Célina que j'ai eu l'occasion. Vraiment, style dortoir, encore une fois. Vous pouvez upgrader vos chambres si vous voulez. On va aller faire une randonnée sur le volcan Arenal. C'est pas le volcan du Guatemala, c'est beaucoup plus facile. Fait que les gens qui sont un petit peu moins en forme, vous allez voir, c'est vraiment, vraiment accessible. On va aller faire une cascade aussi où c'est vraiment, on va se baigner dans la cascade, c'est vraiment énergétique, c'est vraiment formidable. Le parc national est vraiment extraordinaire, encore une fois. On va aller aussi, j'ai une activité ouverte, je ne sais pas si je vais faire du parapente, de la tyrolienne. Je veux laisser un petit peu de place et de la souplesse, connaître mon monde aussi. Fait qu'on va faire d'autres activités comme la tyrolienne. J'ai l'occasion d'en faire beaucoup de la tyrolienne au Costa Rica. C'est vraiment une activité intéressante. Donc, avec la jungle, okay, le paysage, les animaux, c'est vraiment formidable. Le Costa Rica, il y a des singes hurleurs. On entend partout.
C'est vraiment super fun de voir ça. Après ça, on va quitter La Fortuna, on va se rendre à Playa Grande. C'est un parc national, encore une fois, proche de Tamarindo. On va aller dormir au Playa Grande Surf Camp. On va rester là encore 2, 3 jours là-bas. Là-bas, il n'y a pratiquement rien à faire sauf de la plage. La mer est belle, la plage est déserte. Okay, c'est vraiment un parc national, il n'y a pas beaucoup de touristes là-bas. Je vais faire une initiation de surf. Je ne sais pas si je vais le faire directement là ou dans la prochaine destination. Je vois vraiment là, un peu sur le moment quand les gens se sentent bien puis tout ça. Le surf, OK, c'est facile. On va à 3 pieds d'eau environ. Il y a des moniteurs qui tiennent la planche au début pour nous montrer comment ça fonctionne. Moi, je suis un amateur de planche à neige. Je peux vous dire à chaque fois que je fais du surf, c'est toujours okay, difficile. C'est pas si facile que ça. Il y a des muscles stabilisateurs qu'on ne travaille pas souvent, mais je vous le dis, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment formidable. Après ça, on va partir en sac à dos. On va marcher à pied jusqu'à Tamarindo, une belle petite randonnée sur le bord de la plage. Il y a un petit bateau à prendre pour traverser la rivière. À Tamarindo, c'est vraiment un petit village touristique, super, vraiment formidable. Des boutiques, des terrasses. C'est vraiment super intéressant. On va aller dormir au Célina, encore une fois, la même chaîne hôtelière, mais dans un autre établissement. Encore là, il y a plusieurs activités qu'on va faire si on va se promener dans le village. Il y a toujours des ateliers aussi de croissance personnelle, des routines matinales, comme je vous ai parlé tout à l'heure, environ 5 à 6 ateliers, l'art thérapie, des tests de personnalité aussi. Vraiment du contenu intéressant. J'offre toujours du coaching aussi individuel pour tout le monde. On a un, je ne l'ai pas amené avec moi, mais on a un beau cahier du participant, environ 100 pages avec des informations sur le voyage, des informations sur tous les ateliers qu'on organise, des exercices, la lecture aussi, quelque chose de vraiment complet. C'est un voyage extraordinaire, le Costa Rica. C'est intéressant. Vous le connaissez, c'est un des plus beaux pays au monde. Okay? Les gens sont pas pauvres là-bas, ils gagnent bien leur vie. L'industrie puis le secteur d'activité écologique, énergétique, à cause des volcans, ça va super bien dans ce pays-là. C'est sécuritaire, la police, OK, il n'y a pratiquement pas de police, il n'y a pas d'armée dans ce pays-là. C'est vraiment un pays extraordinaire. Je vous le recommande fortement. Il reste de la place si vous êtes intéressé. Écrivez-moi en privé, allez sur antiracaval.ca, allez sur ma page Facebook, ça va me faire plaisir, okay, de vous donner de l'information supplémentaire. Et pour ma part, ça se trouve être mon voyage du Guatemala et mon prochain au Costa Rica. J'espère que vous avez apprécié mon entrevue. C'est quand même assez rapide. Je me sens que j'ai besoin de me déposer. J'ai besoin aussi de prendre du temps pour moi un petit peu. Je suis vraiment fatigué. Fait que je vous conseille, OK, je vous conseille vraiment. Le voyage, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui nous permet de grandir, d'évoluer. C'est un beau moyen aussi de jumeler ça à nos passions. Moi, je vous conseille présentement, c'est revenu à la normale. Il n'y a plus de COVID, là, OK? Il n'y a plus de masques, il n'y a plus de formulaires à remplir, il n'y a plus de tests PCR, de vaccins. C'est vraiment pratiquement dans tous les pays revenu à la normale. Fait que je vous conseille vraiment de réintégrer le voyage dans votre vie, dans votre routine de vie. Ça fait vraiment la différence. C'est vraiment merveilleux. Puis si vous avez peur, c'est la première fois que vous avez voyagé, si vous avez peur aussi parce que ça fait, vous ne voulez pas voyager seul aussi, bien, ce que je vous offre, moi, c'est un peu ça. C'est le confort, OK, de. Je ne suis pas un voyagiste, ce n'est pas moi qui vais vous vendre le billet d'avion, ce n'est pas moi non plus qui. Mais c'est moi qui organise le voyage, c'est moi qui mets les cartes de ce voyage-là. Je suis là pour vous accompagner. Je suis là comme un guide. C'est vraiment précis de mes participants. Fait que gênez-vous pas, OK, à vous donner la permission de voyager. Puis en plus, j'offre une multitude d'activités qui vous permettent de devenir, de grandir, de devenir votre meilleure version de vous-même. Fait que profitez-en. Puis moi, ça fait vraiment plaisir. Puis comment j'ai démarré mon entreprise, c'est simple, c'est qu'en 2020, ben j'ai que mon côté, vous le savez, je le dis tout le temps, en 2019, c'est que j'ai frappé un mur. J'étais vraiment déconnecté, j'étais vraiment dans le champ. Puis dans le fond, ben, la vie a fait en sorte que je frappe un mur pour que je comprenne, OK, que j'étais pas aligné avec qu'est-ce que j'étais vraiment. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le voyage a fait partie de cette. A fait partie de moi, a été un outil pour moi, okay, de pouvoir, okay, devenir la meilleure version de moi-même. Puis à chaque fois que je voyageais seul, à chaque fois que je voyageais, j'allais dans des pays hors normes parce que j'étais appelé par ces destinations-là. Puis à chaque fois que je revenais, il y a des gens qui me disaient, hey Hugo, genre, comment ça tu fais ça? Moi, ça m'intéresse, OK, j'admire ton audace, j'admire, okay, la façon que tu fais ça. Pourquoi tu l'offres pas aux gens? Pourquoi la prochaine fois tu me l'offres pas? Fait que c'est ça que j'ai fait. T'sais. J'ai jumelé mes passions, qui j'étais,
Moi, j'étais un gars qui bouge beaucoup, j'étais un gars qui aime voyager, j'étais un gars qui aime le plein air, j'étais un gars qui aime aider les gens. Fait que j'ai mis tout ce que j'étais au service des autres en offrant des voyages extraordinaires. Et depuis ce temps-là, vous le savez, il y a eu la COVID, c'était plus difficile de voyager. Mais depuis que, genre, on peut voyager de façon plus facilement, je veux dire, là, mon entreprise, décolle vraiment, sans jeu de mots. Ça va super bien. Fait que, dans le fond, si vous voulez des informations supplémentaires, écrivez-moi. Ça me fait plaisir. Puis, vous savez, j'organise quand même à chaque mardi, normalement, quand je pars en partie en voyage, des entrevues. Fait que si vous avez des gens, ou peut-être vous-même, que vous êtes inspirant, que vous voulez inspirer les autres, ou vous connaissez des gens qui pourraient m'aider à propager justement, genre, cette inspiration-là de bien-être, de croissance personnelle, de devenir notre meilleure version de nous-mêmes. Mais gênez-vous pas, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de les passer en entrevue. Et sur ça, sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle soirée. Puis on se reparle très bientôt. À la prochaine, tout le monde. Bye bye.